Bonjour, bienvenue au Tour de la Rochelle. Nous nous trouvons au pied de la Tour de la Chaîne. Cette Tour de la Chaîne est l'une des deux tours qui font l'entrée du port de la Rochelle. Alors, cette Tour de la Chaîne était reliée à la Tour Saint-Nicolas que l'on voit derrière moi par une chaîne qui fermait le port durant la nuit. Ces deux tours, Tour de la Chaîne et Tour de Saint-Nicolas, font l'entrée symbolique de la ville de La Rochelle. Mais il n'y a pas que deux tours à découvrir à La Rochelle, il y en a une troisième qui est elle aussi tout à fait exceptionnelle, qui est la Tour de la Lanterne. Cette Tour de la Lanterne est une tour gothique et est considérée comme le plus vieux phare d'Europe. Alors, c'est pas tout à fait un phare, c'est ce qu'on appelle un amer, c'est-à-dire une lumière fixe qui permettait aux bateaux d'être guidés vers l'entrée du port. Alors, ces trois tours sont devenues le symbole de la ville de La Rochelle et plus globalement de la côte atlantique. Ces trois tours sont aujourd'hui visitables grâce au Centre des Monuments Nationaux. Le Centre des Monuments Nationaux ouvre les tours au public. Vous pouvez trouver tous les renseignements pour visiter les tours sur le site internet du monument. Ces tours sont ouvertes toute l'année et sont aussi le lieu d'action culturelle. Le but est de travailler avec le territoire. Donc nous avons des expositions, nous avons des concerts, nous avons des spectacles d'art vivant qui permettent de travailler avec l'ensemble des acteurs de la ville, du département et de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, ces tours de La Rochelle peuvent être et sont en fait naturellement le début de la découverte de la ville. Parce que quand vous venez au Tour de La Rochelle, vous allez pouvoir découvrir l'histoire, mais aussi la ville, puisque quand vous êtes en haut d'une des trois tours, vous allez découvrir d'un côté le vieux port, la ville, et puis, comme vous le voyez derrière moi, le magnifique port des Minimes, qui est aujourd'hui le plus grand port de plaisance d'Europe. Ces trois tours peuvent être visitées indépendamment. Le billet est pour 3 jours et ça vous permet en fait de découvrir cette ville exceptionnelle qu'est La Rochelle, cette ville qui ouvre sur l'Atlantique mais qui ouvre aussi sur l'histoire et sur le dynamisme économique de la région.